À seulement 4 km de la frontière avec les États-Unis se trouve un club qui abrite deux parcours de golf complètement plongés dans la campagne des Cantons de l'Est et extrêmement bien manucurés. En compagnie de la professionnelle en titre, laissez-moi vous présenter le club de golf Hemmingford. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le portrait global du club de golf Hemmingford? Club de golf Hemmingford, c'est 36 trous de golf, un parcours public et un autre pour les membres. Le public, c'est le frontière, le privé se nomme? Le village. Le village. Puis quelle est la différence principale en termes de golf, là, vraiment de parcours entre les deux? C'est quoi la différence? C'est les verres, au niveau de la grosseur de verres. Pour le parcours privé, un petit peu plus grand, public, des plus petits verres. Et on est aussi reconnu pour avoir des verres assez rapides avec plusieurs courbes qu'on ne sait pas nécessairement la première fois qu'on vient jouer. OK, donc c'est peut-être important d'aller pratiquer son putting là, avant d'embarquer sur le terrain ici. Oui. Et puis, si on parlait à vol d'oiseau, le parcours en général, la typographie, ça ressemble à quoi? C'est un parcours traditionnel, style classique, bien boisé, en milieu champêtre, plusieurs arbres matures. Si je vous demandais maintenant, Élise, de nous décrire deux trous préférés peut-être, un sur le parcours village et un sur le parcours frontière, ce seraient lesquels vos trous signatures ici? Pour le parcours privé, le village, il y a le 17e trou, une normale 3, 165 verges. Donc, si on n'est pas un golfeur avancé d'élite, on n'a pas le pitching wedge dans les mains. Et il y a un gros sol pleureur qui... les feuilles sont un petit peu dans le chemin. Et il est magnifique, il y a plus de 50 ans. C'est une belle normale 3 à voir et à jouer. Absolument. Et puis sur le parcours frontière, ce serait lequel? Sur le parcours frontière, le numéro 7, normale 5, fait un peu en S. Donc, demandant de placer la balle au coup de départ et au deuxième coup. Beau également, boisé. Et surtout, là, le défi d'aller placer pour l'approche au vert. Un club de golf qui possède 36 trous habituellement est réputé pour être capable de recevoir des bons tournois corporatifs. Est-ce que c'est le cas ici à Hemmingford? Oui, on en a plusieurs. Merci à nos salles de réception qui peuvent accueillir plus de 450 personnes. Et nous avons également des mariages, plusieurs événements qui sont les bienvenus chez nous. On a une boutique aussi, la boutique du Pro, entièrement rénovée avec une exclusivité pour les produits Cobra et Puma pour les vêtements. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. Et en terminant, Élise, pourquoi les golfeurs qui ne connaissent pas le club de golf Hemmingford devraient le découvrir au moins une fois en 2018? Ici, au club de golf, on peut vraiment passer une journée remplie. Arriver pour déjeuner, champ de pratique, facilité d'accès au terrain, rester à souper sur la terrasse. C'est une belle journée complète avec des gens souriants comme toi. Moi, ça me donne envie de revenir. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente saison 2018. Merci, Marie-Christine.